Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est parti sur une petite présentation d'un nouveau jeu. Enfin, nouveau jeu non, c'est un petit jeu qui date de 2018, je crois. Mech vs Kaiju. En fait, c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est un jeu où le monde est attaqué par des monstres et tout. Ça fait penser un peu au film là qui est sorti là. Comment ça s'appelle? Pacific Rim. C'est la même chose. C'est, on pourrait presque dire, un copier-coller du film. Du coup, c'est ça, en fait, le monde est attaqué par les Kaiju et nous, on est notre équipe de mercenaires, là, qui combattons ces monstres contre des robots. Alors, on va faire un nouveau jeu. On va faire en facile pour montrer. C'est sur la ville de Tokyo. Et franchement, c'est Tokyo. C'est vraiment, ils ont fait Tokyo, ils l'ont appelé Tokyo, mais si on regarde complètement, c'est Tokyo. C'est, je pense, pour éviter. Hop. Alors voilà. Le graphisme, en fait, quand vous verrez, ça me fait un peu penser aux films des années 80, films des années 90, aux jeux qui sont sortis des années 90, là, à peu près. Les graphismes qu'on voit, je trouve que c'est bien, c'est pas mal, j'aime bien. Alors ça, nous avons le nombre de monstres que nous avons tués, les points de recherche, les gold, donc l'argent. Ce qu'on a au début, donc 500 500, donc on va les dépenser tout de suite. À chaque fin de partie, on gagne de l'argent et des zones de ce que ça s'appelle de la recherche, des points de recherche qu'on pourra plus tard modifier. Du coup, on va aller dans le centre technologique. Alors là, ici, tout ce qu'on peut dépenser, nos points de recherche. Alors qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ça. Extraire de l'or des os pour gagner plus d'or. Et pour gagner plus points de technologie. Ça c'est fait. Ça nous permettra déjà de gagner pas mal d'argent à chaque fois qu'on tue des monstres qui nous permettront de pouvoir acheter des défenses, parce qu'on a des défenses qu'on pourra installer, des murailles, des canons, tout ça. Donc plus on tuera de monstres, plus on gagnera de l'argent pour pouvoir installer ces défenses. Donc c'est pas mal de gagner beaucoup d'argent au début. Et on va aller dans la baie des mecs pour pouvoir dépenser notre argent. Donc on a l'amélioration de l'Odin, donc là où on améliore. On a les zones d'atterrissage, donc c'est là où on choisit qui veut atterrir. Donc nous, on atterrit au point B. On a les deux autres mercenaires qui sont là. Plus si on veut, on peut en accès qu'aux deux autres. Après, on pourra choisir les autres et on pourra leur dire toi, tu t'installes au point A, toi au point C, ou inversement, ou moi qui suis au point B, j'ai pas envie d'être au point B, mais je préfère rester, aller plutôt au point A ou point C, ça dépend. Mais on va rester au point B, hein, on est au milieu et puis on attaque un peu partout, donc ce sera beaucoup plus simple. Améliorer donc nos mercenaires avec l'argent, si on va améliorer la portée, les munitions, la cadence de tir, les dommages et l'armure, donc le blindage. Repair bay, donc si on veut réparer notre mecha. Donc bon, pour le moment il n'y a pas besoin, on n'a pas fait de combat. Et du coup, nous, on va améliorer le nôtre. On a 500 gold. Ça, cadence de tir, les dommages, bouclier, pas pour le moment. Munitions, donc je pensais avoir plus de munitions, des missiles et l'armure. On va améliorer les dommages. On va mettre des missiles. Comme ça c'est bien pour les tirs à longue portée. Le temps que les monstres arrivent à notre portée de canon, on pourra balancer des missiles. Et il nous reste 100 points. Et ça, c'était munitions, donc avoir plus de munitions. En fait, on augmente notre taille des munitions. Donc on va installer ça. Puis je pense que plus tard on partira sur des dommages.
Donc on va installer. Hop, ça c'est bon. Pose de commandement. Paramètres. Peut-être le son. On va peut-être baisser un petit peu. Voilà. Toujours facile, normal. Voilà. C'est en français, comme j'avais dit, mais vous verrez. Première rencontre, briefing de la mission. Bienvenue, commandant. Il est temps pour vous de sortir de l'ombre. À cet instant précis, les forces de l'ONU se rapprochent du tunnel. Sans méfiance et peu armées, les troupes n'ont aucune chance. Une occasion idéale pour essayer de nouveaux modèles d'Odin. Les défenses ne sont pas toutes prêtes, mais vous allez pouvoir utiliser les murailles pour maintenir les ennemis à distance. Il est temps de prouver vos... On sait pas quoi, commandant. Il est traduit en français, mais voilà. Il y a un petit couac, on va dire, au niveau d'ici, donc... C'est un jeu à accès anticipé, hein. C'est pas encore l'accès définitif, en espérant que plus tard, ils vont régler les petits problèmes. Ça, bah, c'est la difficulté. Donc c'est le mode. Donc, il faut débloquer ceci en fait dès qu'on a. Alors, je sais pas si on voit, si on retourne en arrière. Non, c'était pas ça. Nouveau jeu. Facile. Ouais, si, si. Les petites étoiles. Du coup, dès qu'on a fini la mission et qu'on a débloqué les étoiles, on peut refaire la mission beaucoup plus difficile. Donc on va repartir, attendez, hop, on va refaire la même chose qu'on a fait, acheter ça, ça, ça. J'avais dit que ça, ça, ça. Pose de commandement. Hop. Et du coup, dès qu'on a débloqué les petites étoiles, on peut choisir le mode, donc refaire les missions, mais avec un mode beaucoup plus difficile. Bon, on est parti. C'est ça que je vous disais, les graphismes, on dirait presque les jeux des années 90. Moi, j'aime bien, moi, je trouve. Pourtant, on est en 2020, mais ils ont resté... Ils ont laissé le style des années 90, là, les petits jeux qu'on avait. C'est pas mal. Donc voici le général Paul Dobermann. Apparemment, c'est le général de l'ONU, là. Et voilà, arrivé le monstre. Tous les monstres, là. Ça y est. C'est la guerre. On retourne ici à notre camp de base. On met en place la barrière. Nos soldats. On est parti, puis on attaque. Donc là, en attaquant, on voit, c'est là, on est à la vague numéro 2. C'est-à-dire qu'on a à peu près 33, une trentaine de monstres qui sont là. On a gagné 910$, donc on appuie sur l'espace et là on va mettre des murs. On va mettre là. Alors, j'ai pas pris. Là, là et là. Ah, ça les a écrasés en plus. Génial. Donc on a mis nos murs défensifs là, nos boucliers. Qu'on pourra les upgrader plus tard. Au fil du temps. Donc hop. Et hop, on va faire un barrage de missiles. On y va, allez, allez, hop, 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 tu es là, ok, ok. Là, je vais grabber celui-là, celui-là, et celui-là. Comme ça, on est tranquille. Toujours la vague 6, ah bah c'est la dernière vague, l'avant-dernière. Ah, on recharge. Allez, hop, hop, hop. J'ai les missiles qui vont être là. Je vais les balancer ici.
fait plus de dégâts. Et tu me dis qu'il reste 3 monstres. Ils sont là. Et voilà. Première vague terminée. On a tué 194 kaiju, on a gagné 183 points d'or et on a gagné quand même 451 points de technologie. On est parti. Du coup, on a terminé la première mission. Donc, hop, centre technologique. Alors, on a 450. 10% de plus. Et on a quoi ? On va mettre prendre des bobines de Tesla. C'est nos premières toiles de défense. Et là, c'est une unité de mecha qui est avec nous. On va l'acheter aussi. Il nous reste plus que 150. 150, non, je peux rien faire. Je partirai peut-être sur l'anti-aérien après. Donc là, on est là. Qu'est-ce qu'on peut acheter là, améliorer? Je peux rien faire. Cadence de tir. On va avoir une plus grande cadence de tir. Bon, on verra. Je pense qu'on va faire un autre truc, c'est gagner un peu plus et augmenter les dommages. Donc là, on a rien. Amélioration des mercenaires. Franchement, il n'y a pas besoin hein. Pour le moment. Non. Hop, hop. Pose de commandement. Part sur la mission numéro 2. Briefing de la mission. Grâce aux recommandations du général, nous avons un contrat officiel avec l'ONU. Financement nous permet d'élargir nos opérations aussi longtemps que nous pourrons donner de bons résultats. Les mystérieuses créatures ont été vues approchant Tokyo City près de la région de Lac Placide. Donc laisser l'avant des murailles pour la dernière minute et remplacez-les pour ne plus efficacité. Recommandation les bobines de Tesla. Préparez-vous, commandant. Objectif de la mission, détruisez la horde de Kaiju. Ça n'a pas changé. Hop, on commence. On est parti. Notre mur qui s'installe. Alors, 150. On va mettre ça là, ici. Là. Et c'est tout pour le moment. Alors, les habitants qui viennent. Alors, on va se dépêcher de les sauver quand même. Wow, ils attaquent déjà. Allez, hop, 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 hop. Est-ce que je peux en mettre un là? Là, là, et là, voilà. Ça, on est tranquille. Là, on recharge. Hop, une autre unité mécano. Là. On peut mettre une bobine ici. Je peux en mettre une là. Ah, je peux pas encore mettre une là. Ok. Espèce d'araignée là. Oula, l'autre il part tout seul au combat. Allez hop hop hop, bobine à Tesla. Ouais, font un peu de dégâts. Je peux pas les améliorer. 550, allez hop. Ah, ça fait un peu plus de dégâts là. Celui-là.
Ah non. Encore. Là, tout de suite. Hop. Hop là. Allez, hop, hop, hop. Dernier. Vague numéro 8. Voilà, encore les araignées. C'est combien? C'était 7, 14, non, attends encore un petit peu. On va remettre une là. Sinon on va l'upgrader. Ah, ça y est, on a déjà les premiers, les unités volantes. Ah, du coup, il va falloir que je m'achète des canons anti-aériens. Parce que s'il y a des unités volantes qui arrivent. 282 kaiju morts. On a gagné 508 points de technologie et 450 points d'or. On continue. On va améliorer. Alors, du coup, je pense qu'on va acheter tout de suite l'anti-aérien. Ça, c'est quoi? Broyeur MK1. Une défense indestructible. Le broyeur endommage et ralentit tous les kaiju avec des lames en titane. C'est l'artillerie. D'accord. Bah tiens. Ça, ce sera beaucoup mieux. Ça. Non. 208, ça c'est quoi? Des drones. Alors, drone sentinelle lance des lasers sur des projectiles ennemis en train contre les ennemis à distance. D'accord. On va mettre ça. Et là, on a quoi? Ah, c'est un deuxième mini-tank avec nous. Un autre drone et le jetpack permet au mec de sauter du mur de la base. Ouais, non. Après c'est quoi l'anti améliore de 25% et le matériel augmente les points de vie de tous les murs à 15%. D'accord, je pense qu'on va partir là-dessus sur ça aussi. 632. Du coup, hop, amélioration, on va augmenter les dommages. Et là on a 332. Améliorer peut-être la cadence de tir, allez hop. 157, rien. Ça, l'armure, pas besoin. Donc, une meilleure cadence de tir. Pas mal de dommages, ouais, ouais, ok. Repair Bay, ici. Rien à voir. Amélioration des mercenaires. Portée, munitions, 175, 200, non. Non, c'est la même chose. Mais pour le moment, rien du tout. Poste de commandement. Briefing de mission, les frontières de Pokyo. Une nouvelle horde a émergé et contourné le poste de défense du lac. Nous nous attendions à ce qu'ils atteignent la frontière... Oula, la frontière sud de Pokyo. C'est une zone très peuplée et un échec signifie qu'on pourrait perdre le contrat. Tenez l'attaque pendant que les équipes de secours terminent l'évacuation. Il n'y a toujours pas de signe de l'étrange créature géante, mais vous... Quelque chose totalement alerte. Mais vous devez rester, je pense, totalement en alerte ou je sais pas trop quoi. Donc c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas complètement le truc. Mais bon, c'est pas grave. Commencez. Nous on a directement la ville. Là on va mettre des murs.
On va faire un muret comme ça. 150, il me reste quoi? Là, là. Anti-aérien ici, on va mettre. Et on va partir là. Et là, déjà. Donc on attaque, on les tape. Ah, on voit les petits bonhommes qui se barrent. Il y a un bouchon énorme. Hop, on est reparti. Hop, voilà. Alors, ils sont où? Ah, ils sont là. Allez, hop, 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 hop. Les petites araignées, elles sont rapides, ça. Là. Hop, on va en mettre une là, une là, et une là. Ah, là. Ça fera plus d'attaque. Ah, ça y est. Il y a un truc anti-aérien là. 250. Hop, on va en mettre un là. Et je vais en mettre un ici. Ah mince, j'ai pas fait gaffe, j'ai perdu. Non. Il me faut un... Hop, j'ai pas fait gaffe. C'était combien? 350. Ah, passé. Je vais mettre là un petit méca. Lance mon missile. Il y a un 1100, ouais. On va améliorer celui-là. On va améliorer celui-là. On va améliorer celui-là. Et c'est tout. Hop, on va mettre ça. Voilà, ils ont réussi à passer, on va me dire comment. Attends, là il y a tellement de monde là. Voilà. Là on est bon. Celui-là, tout de suite. Celui-là. Et celui-là. Allez, hop, hop, oula, il y a beaucoup d'araignées là. Allez, hop, hop, bah c'est bon. En anti-aérien là. Hop, là on est bon, ça améliore. Ça t'améliore, ça t'améliore, et tu peux pas. Hop, missile. Ah, ça fait plus de dégâts maintenant, avec mes bobines Tesla là, qui ont été améliorées. Et du coup... Hop, je vais améliorer celui-là aussi. C'est combien? 500. Hop, le petit Mika. Allez, hop, putain, ça attaque le sud là. Voilà.
grosses araignées en approche. Allez, hop, hop, hop. Largage de missile. Hop, ça on améliore ça, on améliore ça. Ça, je vais améliorer ça. Ça, je vais améliorer ça. Voilà. Les boucliers, ils sont beaucoup plus... En plus, c'est la dernière vague. Yes! Alors, dis-moi combien. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. 427 kaiju, 550 points de techno et 475 points de dégâts. De points d'or, je veux dire. De gold. Donc, on continue. Centre technologique. Alors, Ah là, il dit ça. Et après, hop, un deuxième. Petit robot. Donc là, on participe à des missiles solaires. Améliore de 25% la portée des tours anti-aériennes. Là, on a les missiles solaires. Bouclier de missile, contrat avec la Chine. D'accord. Ouais, c'est déjà pas mal. D'accord. Et la baie des mechas, alors. On va améliorer le nôtre encore. Ah, il va faire plus de dégâts. Repair B, on n'en a pas besoin. On est parti. Bah du coup là on a le choix entre plusieurs missions. Et ça c'est des missions secondaires. Ça c'est les missions principales. On va faire une petite mission secondaire. Hein. L'hôtel Salvo. Je pense qu'on va terminer avec la petite mission secondaire. Là. Briefing de la mission. Commandant, nous avons reçu un appel du propriétaire de l'hôtel Salvo. Une horde de kaiju a dépassé le poste de défense établi sur le lac. Notre hôtel est situé en dehors du périmètre. Notre mission est d'arrêter les kaiju avant de leur entrer dans la ville, mais ils nous ont promis des chambres gratuites à vie si nous parvenions à sauver le bâtiment. Bonne chance, commandant. D'accord, donc si on arrive à sauver l'hôtel, on a des chambres gratuites. Ça, c'est bien ça. Si seulement c'était comme ça. Donc hop, on est parti. On commence avec 1252$. On a le mur qui se fait. Ok. Alors, on va mettre ici. Je pense qu'on va faire comme ça. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, tac. Mettre là. Défense ici. Je pense qu'on est bon. En espérant. Là, ça va être... là, allez hop. Ah, recharge. Hop. Là, là, il y a du monde là. Alors attends, ça on va le revendre, on va plutôt mettre un ici,
on va plus le mettre là. Allez, on va mettre ici anti-aérien là et anti-aérien là. Et on va voir comme ça pour le moment. Ah mince, je me suis trompé. On revend ça. On revend ça. J'avais dit anti-aérien. Anti-aérien ici et ici. Allez, hop, les... Ah, je pense qu'on va améliorer les tours de Tesla, là. Là, et là. Hop, missile. Ouh, il va falloir améliorer mes défenses, là. Hop. Là. 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 En fait, même mes mechas, ils attaquent... C'est ça qui est bien. Oula, 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 oula. Comment ça va être chaud là. Alors, hop, bien ici. On va remettre une là. Voilà. Ah, ils arrivent à passer quoi. Missile. Alors, 750. Là. Là, je peux pas encore. Toi, hop, là, toi, hop, voilà. Encore 3 vagues. On met un autre anti-aérien là. Deux Tesla là. Ça passe, il y en a un qui passe, il tient pas alors. Un autre, on tient rien ici. J'ai une sacrée défense anti-aérienne, moi je te le dis. Ça ne passe pas. Oula, oula, putain, j'ai beaucoup de monde là. Ça va, j'ai mon bouclier qui tient quand même. Hein.
Enfin, j'ai ma bobine de, mes bobines de Tesla qui font leur taf quand même. Alors attends. Je peux pas améliorer. Non, je suis au maximum. Voilà. Alors ça, je vais améliorer cela. Je vais améliorer celui-là et celui-là. Ça. Et ça. Et voilà. Fini. Et ben, un peu chaud celui-là. ...394 kaiju de mort, de tuer, 550 points de technologie et 450 points de gold. Donc, on continue. Hop, centre technologique. On va dire que... ça s'améliore un peu, mais... Mon artillerie. Et je pense qu'il faudrait que je mette des broyeurs. Vu comment c'est parti. Donc 275 et tout ça. Donc là je peux rien faire. On va faire quitter. On va améliorer quoi. Capacité de 3 missiles. Capacité de dommage. Donc les munitions. Plus de munitions. la cadence de tir. Et puis voilà. Ouais, bah du coup, on va s'arrêter là. Hein. C'était une petite présentation du jeu Kaiju. Plutôt Mech versus Kaiju. Bah, si vous voulez que je continue à faire le reste des missions, dites-le moi. Sinon, moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.